Pour ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les bases d'une simulation pour venir créer des guirlandes et des décorations sur un arbre de Noël dans le cadre du challenge lancé par Next Limit, Pin the Tree, qui est donc à rendre pour le 25 décembre. Hein. Ça peut vous aider. C'est les bases d'une simulation. Alors on va voir juste l'utilisation des splines. Qui permettent donc de créer un chemin de flux donc de particules et éventuellement si ensuite on veut rajouter donc des modifications pour rendre cela un peu plus bruité ou un peu différent ou plus large ou voilà au niveau donc du flux des particules et eh bien on pourra le réaliser. Donc on va voir principalement donc cette solution donc de D-spline ici pour venir créer les guirlandes au fur et à mesure. Et au niveau des boules de Noël, on donnera une petite indication, c'est relativement simple bien entendu à réaliser ici. Le tout étant rendu avec Krakatoa dans Maya. Ok, donc on va commencer ici avec l'arbre de Noël et puis donc les différents éléments. Donc on voit maintenant la simulation ici dans RealFlow. Ok, on va avoir donc le flux ici. Alors on peut mieux le voir sans l'arbre hein, éventuellement. Ok, voilà. Donc c'est relativement simple à mettre en place. Il y a deux trois choses si on veut en faire de multiples à ne pas commettre comme erreur dans les duplications notamment. C'est ce qu'on va voir ici. Et donc on va commencer à faire un premier élément. On va rajouter par exemple un élément. Alors on pourrait très bien imaginer donc venir dupliquer les éléments. C'est pas possible parce que les clones fonctionnent assez mal à ce niveau-là. Il vaut mieux repartir donc d'une base pour venir donc recréer une guirlande, je dirais, un chemin de guirlande. Ok, donc la première chose que l'on peut faire, c'est venir créer une spline. Donc on a l'outil spline qui permet de créer une spline ou une curve comme dans Maya. Ici, on va créer donc une spline. Alors pour créer une spline, on conseille plutôt de se mettre dans une vue donc ortho, front, ici par exemple. Et par rapport, alors on a un peu la découpe de l'arbre avec les guirlandes qui sont déjà créées. On repositionne l'arbre, le sapin ici. Et puis on est en mode édition, on le voit avec l'enclenchement de Edit dans la barre d'outils à gauche, ici, puis la ligne jaune ici qui encadre donc le viewer, enfin le front ici, la vue front. Donc spline, alors les splines se créent de manière assez simple, il suffit, comme c'est indiqué sur la ligne Edit Mode, hein, Control Right Click. Donc contrôle et on va cliquer donc ici ce qu'on va faire, on va partir de là par exemple, hop, on tire, on a un premier point, on n'oublie pas de tirer pour avoir les poignées, deuxième point par exemple, ici par exemple, voilà, ok, ici, ici, voilà, ok, bon, j'ai créé juste quatre points, ok, je sors du mode d'édition, je reviens donc dans la vue perspective ici. Ok, et je vais avoir ma courbe hop, qui va apparaître ici. Alors elle apparaît en aplat ici et je vais venir donc l'éditer pour la mettre dans bien sûr le volume ici. Donc je repasse en mode édition. Je vais avoir donc ici les éléments. Je vais pouvoir donc déplacer W, voilà. Ok, ici. Et je vais venir ajuster donc ma courbe ici en fonction. Rapidement de où je veux positionner donc cette courbe par rapport à l'arbre, je vais réapparaître voilà ici, ok, on va remonter ce point-là pour qu'il soit dans les arbres, ok, voilà, ok, voilà, on va venir donc travailler sur le positionnement. Ici, voilà. Alors, on peut bouger les tangentes, bien entendu. Hein. Ok, ici les rallonger, voilà, de telle manière d'ajuster. Donc, on a toute la possibilité de venir ajuster, donc bien entendu,
descendre. Voilà. On va mettre, on va le faire revenir comme ça. Ok. Voilà, donc ici on a juste, on a rajouté, hop, il y a un point qui est encore un peu distant de l'arbre, on le ramène, voilà, ici. Ok, on va le mettre sur cette branche par exemple, voilà. Ok, à peu près. Ok. Voilà. Voilà, donc c'est rajouté ici. Alors, l'avantage d'avoir créé une spline, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette spline-là. Donc, pour venir créer donc, le D-spline. Que ce soit donc l'émetteur avec le système Diverso, ou que ce soit donc le daemon des splines aussi, que l'on va utiliser, qui est plus simple donc à venir ajouter sur le D-spline de Diverso. Donc ici, spline 10, ok, je vais enlever l'arbre pour qu'on voit mieux. On va venir donc sélectionner. Bon, rien au départ, on n'est pas obligé. On crée donc une spline ici, donc d'émission. Ok, donc ça crée une spline, on la voit au milieu. Hein. On l'avait vu dans un précédent tutoriel pour lancer donc de l'énergie, une sorcière devant un château lancer de l'énergie. Je vous renvoie ce tutoriel-là. Je présentais donc la spline ici. Et on va utiliser maintenant donc. On peut donc bien entendu refaire le même travail, c'est-à-dire déplacer les différents points donc de la spline pour les positionner. Mais on a un gabarit donc qui est la spline 10 et on va l'utiliser. Donc on vient donc sur l'émetteur 06, la spline ici, et on fait copy spline. Et on va venir chercher donc la spline 10. OK. Et hop, ça vient se caler dessus. Et de la même manière, daemon. Des splines et pareil, on va venir copier et on va venir le caler. Voilà, ok. Ce qui fait que on va avoir donc la spline 10 qui va servir de guide, enfin qui va servir de gabarit aux deux éléments que j'ai rajoutés, des splines 6 et émetteur 06 en spline ici. Ce qui fait que je vais avoir les deux qui vont être très synchronisés dans l'espace et on n'a plus qu'à régler maintenant les paramètres, donc de largeur de radius par exemple, de manière assez simple. Donc on va venir ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant cacher la spline, ok, et ops, on ne fait pas réapparaître l'arbre, et ici on va commencer donc avec, on cache le spline 6, on vient avec l'émetteur, on clique sur Edit ici, et on va venir sélectionner donc les points. Et on va régler le radius, donc ici un radius plus faible, 0,1, voilà, la manière de faire quelque chose d'assez fin en termes de guirlande. De la même manière, on sort du mode édition, on cache, on fait apparaître le D-spline ici, on passe en mode édition et on fait la même chose. Ici on sélectionne donc les points. Donc on cache les autres éléments comme la spline ou l'émetteur spline quand on travaille par exemple sur le daemon des splines. Pourquoi? Parce que même s'ils sont cachés, ils viennent intervenir dans la sélection et on risque de mal sélectionner en mode sous-objet. C'est un petit problème qui arrive. Donc il vaut mieux, comme les éléments se superposent, venir cacher les éléments et se passer en mode édition de l'élément qui reste ici, par exemple mon des splines. Donc je peux changer de la même manière ici le radius, donc 0,1, okay, ou 0,2, voilà, pour être un peu plus large. Ok, et donc on peut quitter le mode édition, on a préparé les rayons principalement, on pourra en élargir certains ou en réduire d'autres de manière personnalisée. Là je les ai pris, sélectionnés tous, je leur ai mis le même radius. Donc sur le D-spline, principalement ce que l'on veut, c'est que le flux suivent. Alors si je lance reset ici, ok, simulate, ok, et on a donc la simulation ici. Ok, j'ai caché les autres courbes ici, ça nous gênait, et donc on va voir, hop, des splines ici sur le hub 1,
On va le débrancher. Et surtout, en fait, l'émetteur qui se connecte pas forcément. Drag. Ok, émetteur, ici, voilà. Donc, c'est pour ça que la simulation ne se lançait pas. L'émetteur, j'aurais dû sélectionner le domaine qui était déjà présent avec les autres éléments qu'on va regarder, que j'ai appelé domaine guirlande ici. Alors voilà, pour le display par rapport à la velocity. En liquide, PVD, ici, résolution 20, densité 1000, internal 0, external 10, ici, surface tension, damping 1, ici. On rajoutera des drags si nécessaire pour venir ralentir certaines évolutions dans certaines zones spatiales, donc des courbes, ce que j'ai fait pour les autres. Ici, selon la vitesse de propagation donc des particules ici. Donc, D émetteur est sur des domaines guirlande ici, des Y de domaine, et le spline, contrôle, bouton gauche de la souris, je viens le connecter ici sur hop, le groupe, je le mets là, sur le domaine aussi, il va intervenir, ce D spline, donc ici, et avec l'émetteur. Ok, reset. Simulate. Ok. Donc là, on a une simulation qui marche assez bien, mais dans le sens où on a une simulation qui est donc en mode axis, création axis ici, au niveau de l'émetteur, et ce qui nous intéresse, donc on a un autre mode tube qui est un peu similaire, qui est la création donc à l'intérieur donc du tube créé par le D-spline, mais ce qui nous intéresse, c'est le mode age, ici, qui crée donc le long de l'axe, ici, au fur et à mesure. Ok, les autres éléments étant cachés, il faut faire attention à tree ici, si on le laisse en vert ici, ou en mode donc active simulation, il faut le passer en inactive, donc en petite fusée rouge ici, autrement ça vient, donc à moins qu'on le veuille, mais empêcher donc le flux de circuler. Donc simulate ici, on a donc voilà le flux qui va ici plus ou moins suivre, donc ok. Et donc, pour que ça suive vraiment donc, le chemin que l'on a tracé avec la spline, il faut venir dans des splines ici, et principalement donc radial stretch, la force ici, mettre une valeur dans les environs de 40 ici. En dessous, ça risque de ne pas être suffisant. Alors, on peut tester de telle manière de baisser un peu, mais voilà, 40. On a donc ici un flux de particules qui suit, donc on pourra augmenter, et on voit qu'il ne suit pas tout à fait ici. Il faudra augmenter les valeurs ici. Donc on a la solution de venir augmenter les valeurs donc en mode édition. Là, on est en mode édition, si on sélectionne par exemple le point ici, on a les CP axial radial vortex ici, qui sont donc des valeurs multiplicatrices par rapport aux valeurs d'origine de force vortex axial et radial que l'on a donc ici dans le Diamond Day Spline. Donc, ça nous permet de corriger certaines choses. En fait, ce que l'on peut faire aussi, on voit que la simulation de particules s'étire beaucoup et va trop rapidement, c'est de mettre en place donc un drag général ou localisé, mais ici on va mettre un drag général, donc je le remets ici après avoir enlevé les autres, donc ici on peut le mettre juste pour l'élément, bouton gauche de la souris, contrôle, ici drag à ce niveau là, on va mettre une valeur de 1, ce qui va permettre de ralentir la simulation, de l'avoir moins forte et de maintenir d'abord un flux de particules plus important. On voit qu'on a une épaisseur un peu plus importante et ce qui va permettre donc laisser le temps au flux de particules de bien suivre donc chenal qui est proposé ici. Voilà, ok. Donc tout à l'heure on avait donc la courbure qui n'était pas respectée par le flux de particules. Maintenant on l'a ici. Voilà, et donc on a ce que l'on recherche, donc un flux de particules quasi parfait, entre guillemets, qui suit exactement le contour avec assez peu d'éléments de contrôle. C'est ça qui est important aussi, parce que on peut toujours venir ajouter donc des points, bien entendu. Si on a des zones trop longues entre deux points de contrôle, de conduite, on peut venir ajouter un point. Mais ça fait d'autant plus de points à travailler et à mettre en œuvre. Ici, grâce avec un drag force et sur le D-spline, donc avec une valeur de 40 ici, on peut tester avec un peu moins pour que, si on fait la moitié par exemple, mais le drag est là maintenant pour corriger la simulation.
on aura quelque chose qui peut un peu moins bien suivre donc le chemin axial que l'on a figuré ici avec la spline. Le drag est assez efficace pour ça, il permet de vraiment donc ralentir. On voit qu'il y a une hésitation ici, un petit flottement. Donc on pourra chercher la valeur de rupture entre guillemets au niveau de la force radiale ici, qui va donc ici on peut passer à 5, qui va faire dévier, commencer à faire dévier donc le flux de particules de son axe. Donc on voit ici avec une valeur de 5, hein, malgré le drag, et eh bien on commence à avoir donc des oscillations. Voilà, ici, ce qui donne donc un contour moins précis, ce qui peut être intéressant aussi, hein, en termes de guirlande par exemple. Et donc, si on veut un peu de variation, hop, là aussi, on va retrouver voilà, un peu d'oscillation. Et pour terminer ici sur cette première approche, sur les deux autres forces, vortex et axial, si on veut quelque chose qui tournoie un peu autour de l'axe, eh bien on utilisera le vortex, ici avec une valeur de 6, 7. Et l'axial ici pour s'écarter de l'axe. Ici, on mettra donc une valeur de 2 par exemple. Donc, ce qui nous permettra d'avoir des oscillations plus intéressantes, comme on le voit voilà ici, une sorte de tortillon ici qu'on va obtenir, tout en essayant de maintenir, on voit que ça dérive, hop, maintenir donc l'axe de propagation donc de nos éléments. Mais voilà ce que ça peut donner. On augmentera éventuellement un peu le radial pour retrouver un peu plus, mais bon voilà, il y a une perte hein, ici d'éléments autour, mais ça peut donner donc des éléments que l'on mettra en brillance hein, de décoration éventuellement. Voilà, on peut mettre aussi en place donc l'élément dans le délimiteur ici, le kill living, qui va tuer les particules qui sont en dehors donc du conduit défini par l'émetteur ici. Okay. Voilà. Et on va continuer à garder donc cette oscillation ici que l'on voit apparaître sans avoir de particules qui vont partir donc dans tous les sens ici au prix de disparaître éventuellement. Il en reste quelques-unes ici qui arrivent à passer. Voilà. On en a moins. Ok. Alors on pourra augmenter encore éventuellement donc la valeur donc des splines ici 25 sur le radial et éventuellement un peu le drag pour ralentir ça. 2 simulation. Voilà. Bon, bien sûr, ça va atténuer les oscillations que l'on avait donc précédemment. Et donc ça sera un jeu de telle manière d'avoir donc un ensemble d'oscillations comme on voit un peu apparaître. Hein. Voilà, ici de mouvement et en même temps donc d'essayer de rester dans l'axe. Donc là, on a une oscillation qui est relativement intéressante à la création, qui fait une ondulation comme ça en se tournant et on voit que la couleur donc change aussi. Ce que l'on va retrouver ensuite dans le rendu, bien entendu, qui peut être intéressant d'avoir donc ce tournoiement donc vortex de la coloration qui est ici dépendante de la vélocité. Mais dans Krakatoa, on retrouvera la même chose. Ça dépendra aussi, ça pourra dépendre aussi notamment de la vélocité, d'autres paramètres, mais aussi de la vélocité ici. On voit là un peu les paramètres de base qui nous permettent donc de créer un chemin donc de flux de particules ici, maîtrisé, avec peu d'éléments de contrôle pour aller assez rapidement ici. On obtient donc ce type donc de simulation. Alors ici qu'on a utilisé comme guirlande donc sur notre arbre de Noël.